Salut à tous, c'est Ludo. Une nouvelle vidéo de présentation de produits. Donc, tout d'abord, je remercie la marque Reolink de m'avoir envoyé ce produit-là. Écoutez, je vais essayer d'avoir l'avis le plus objectif possible, pour autant que ce soit un présent de la marque. Donc, Reolink, c'est une marque spécialisée dans les caméras de surveillance, a priori de tout type, donc caméras IP, Wi-Fi, 4G. Le plus simple, c'est d'aller voir sur leur site que vous trouverez en description en dessous de la vidéo. Pour ma part, la marque a bien repéré que bon, la maison était assez isolée dans une forêt. Donc c'est vrai qu'en soi, c'est quelque chose qu'on aurait pu et qu'on avait éventuellement en projet d'acheter, juste pour maintenir un petit œil sur la maison quand on n'y est pas. Voilà, bah écoutez, on va déballer ça, puis bon, découvrir le produit ensemble et l'installer plus tard. C'est parti! Et voilà. Donc juste dans ce petit sachet, c'est une carte SD, enfin micro SD pour être précis, 32 Go qui m'a été offerte avec. C'est simplement qu'elle permet, je le découvrirai plus en détail tout à l'heure, elle permet de garder une séquence enregistrée automatiquement. Parce que bon, évidemment, si on la consulte pas sur l'application du téléphone au moment où ça nous intéresse et qu'il se passe quelque chose, ça permet de revisionner ce qui s'est passé un peu plus tôt. Donc là, on voit la petite caméra qui se trouve en position tête en bas. Allez, on va ouvrir ça. C'est plutôt bien emballé. Petite pochette. Alors bon, je suis pas un spécialiste de l'anglais, mais bon, être préparé, être Reolink. Donc ça veut dire qu'en étant équipé Reolink, j'imagine qu'on est préparé contre vandalisme, vol et compagnie avec la surveillance par caméra. Alors qu'est-ce qu'on trouve là-dedans? Tac. Donc là, 5 stickers pour dire qu'on est surveillé, donc il y a toutes les langues, la plupart des langues on va dire plutôt. Ici, c'est la déclaration de conformité européenne. Un petit guide d'installation qui est a priori en français, donc en anglais, en allemand, en français, en italien et en espagnol. Là, c'est une caméra IP, je pense. Petite aide. Ça, c'est pour l'installation, on y reviendra plus tard. C'est par rapport à l'étanchéité à l'eau lors de l'installation. Allez, je poursuis dans le déballage. Une bonne mousse pour protéger. Et pour caler. Alors, ah oui, ça fait une belle bête. Alors, avec, je me suis un peu écrasé un doigt, c'est pas évident. C'est pas évident de m'en servir de ce doigt. Là, câble. Bon, je vais tout sortir, on verra après. Donc, un petit transfo. Attraper la caméra. Hop. Le mieux, c'est de sortir la mousse. On va faire avancer. Tac. On met ça de côté. Ça, je vais le poser dessus. Bah écoutez, ça paraît du costaud. Je ne sais même pas, c'est peut-être pas du plastique ça. Bon, ça c'est en plastique. Ça aussi, le support qui est là. Mais ça, j'ai presque l'impression que c'est du métal. Là, ça fait son petit poids. Ça paraît plutôt costaud, je trouve. Donc là, en fait, il y a tous les capteurs. On va y revenir dessus après. Vous imaginez, la caméra est à l'envers par rapport à sa position normale. Mais bon, je ne vais pas la faire poser sur l'arrondi. Donc, ici, il doit y avoir la trappe
pour mettre la micro SD qui permet d'avoir l'historique de ce qui s'est passé même si on ne surveillait pas ce qui se passait sur le téléphone. Donc là, ici, ce sont deux petites LED qui servent de spot pour éclairer les personnes si on l'utilise comme portier ou en tout cas si on peut avoir la proximité avec les personnes qui peuvent éventuellement s'approcher de la caméra. Ensuite, juste ici, c'est le capteur de jour qui permet de basculer, je pense, en éclairage de nuit avec l'infrarouge. Là, ce sont les deux lentilles de prise de vue. Et ici, ce sont les lumières infrarouges qui permettent de voir la nuit ce qui se passe. Ensuite, bon, là, elles sont vers le bas, mais comme la caméra est à l'envers, elles sont vers le haut. Ou en tout cas, je crois qu'on peut les orienter même en fonction de sa mise en place. Ce sont les antennes 4G. Donc ensuite, ce modèle-ci, vous pouvez la brancher soit à un réseau Ethernet avec le FiberJ45, soit en mettant une carte SIM ayant des données mobiles. Alors, on va essayer de mettre la carte SIM, une petite trappe. On va penser à se munir d'un tournevis cruciforme, petit cruciforme d'ailleurs, et même des trompeurs. Là, elle est donc dans le bon sens. Et on a un petit up, donc en haut, pour savoir dans quel sens mettre la trappe. Hop. Les vis sont tout petits. Il faut faire attention de ne pas les perdre. Hop, voilà. Alors, pour retirer le support de carte SIM, il faut une petite tige pour appuyer dans un tout petit trou au bout du tournevis. Donc, il faut une petite tige qui se trouve finalement juste ici. Bon, voilà. Au-dessus de mon ongle. Il n'est pas très propre d'ailleurs. Donc là, avec ça, on appuie dans le petit trou. Et ça fait sortir le petit tiroir qui se présente comme ça. Là, je vais récupérer la carte SIM que j'ai pris pour la caméra. Il faut bien penser avec un téléphone à le supprimer, donc que la carte soit sans un code, sinon ça ne marchera pas. Et l'opération se fait uniquement avec un téléphone. Je l'ai déjà fait au préalable. Donc le format de la carte SIM, c'est nano SIM. C'est la plus petite. On va la poser ceci dans le tiroir. Donc là, on a le petit trou en bas. Je mets le petit trou du tiroir en bas. À la fente. Et voilà. Hop, vers le haut. On le remet dans le bon sens. Et voilà. Alors, on va continuer la découverte de cette caméra. Alors, j'en étais à la mise en place de la carte SIM, donc qui est insérée pour vous juste avant, et pour moi c'était le week-end précédent. Donc il suffit ensuite de la brancher. Alors, le branchement de la caméra. Là, je vois que j'ai deux fils. Alors, qui va où, pourquoi, comment? 10 câbles Ethernet, d'accord. Donc en fait là-dedans il y a le câble Ethernet, RJ45. Voilà, on voit, hop, c'est protégé par ça. Et donc ici c'est la connexion électrique. Et pour cela on peut utiliser une rallonge qui fait 4,50 m. Pour laisser, j'en ai pas besoin, je vais simplement prendre la prise classique. On enlève le petit épluchon. Petit pansement, il a souffert. Voilà, c'est branché. Alors, je vous explique ce qui s'est passé. Donc ici, quand je l'ai branché, un petit voyant ici qui était rouge, clignoté, prise en compte de la carte SIM. Une fois qu'il s'est éteint, le voyant bleu a clignoté. Une fois fixe, ça veut dire que la connexion est réussie. Et d'ailleurs, j'ai eu un message vocal qui me le disait. Il est nécessaire de télécharger l'application de la marque, non disponible sur l'App Store ou sur le Google Play, selon votre téléphone. Et alors, c'est reparti. Donc là, avec l'appareil photo, hop, obtenir. Elle est en train d'être téléchargée. Hop, je l'ouvre. On valide. C'est parti. Donc là maintenant, il m'a indiqué qu'il faut cliquer sur le petit plus en haut. J'autorise l'accès à l'appareil photo du téléphone. Et maintenant, il me faut scanner le QR code. Il est sur le dessus. Là, je vais saisir un mot de passe.
Si je vais sur la caméra, coucou. Bon, il y a une latence, on va dire 3 ou 4 secondes. Bon, forcément, avec le réseau cellulaire, c'est dur de faire de l'instantané. Ok, donc là, je fais glisser et on voit ma tête. Et hop, je peux monter. Donc là, c'est bon. Et dans la lecture, ok, là, c'est qu'il faut mettre la carte SD, ce qu'on va essayer de faire tout de suite. Donc là, après avoir débranché la prise et orienté la caméra vers le bas, je vais poser comme ça. Vous verrez peut-être mieux. On la distingue. Hop. Et voilà. Et donc le sens, de toute façon on le verra vite. Si elle rentre pas, hop, c'est ce sens-là. Hop, j'appuie, il y a le petit clic du verrou. Je m'occupe désormais du support définitif de la caméra. Pour cela, je reporte le tracé du petit papier qui est fourni pour une pose dite au plafond sur une tôle d'acier. Je la perce puis la découpe au bon format. J'ai acheté dans un magasin de bricolage une petite équerre en acier qui sert à créer des étagères. Celle-ci me servira de potence. Pour éviter de faire des trous dans la façade, j'ai aussi pris deux colliers qui servent à fixer les descentes de gouttière. Ainsi, elle sera simplement accrochée sur une descente de la maison. J'assemble l'équerre avec les deux colliers et fais un point de soudure au bout des deux vis pour empêcher tout risque de dévissage. Puis soude le petit plat sur mon équerre. Un coup de peinture anti-rouille noire et je la laisse sécher. Une fois sec, je pose la caméra sur la potence.
C'est parti pour la mise en place. Je suspends l'ensemble avec une ficelle afin d'avoir les deux mains libres pour glisser le demi-cercle des supports entre la descente et la façade. L'espace étant restreint, je suis obligé de désolidariser entièrement pour arriver à mettre le tout en place. Je raccorde ensuite la caméra à la rallonge de fil d'alimentation qui est fournie. Puis vais la brancher à la cave pour le moment. Je m'absente de la maison quelques instants et soudain mon téléphone vibre. Je clique sur une notification de détection d'une personne et consulte rapidement la dernière séquence sauvegardée par la caméra. Effectivement, il semblerait bien que quelqu'un s'approche de la maison. La caméra l'a vu et fait crier sa sirène interne. D'ailleurs, il me pique un saut, le bougre. En tout cas, la caméra ne perd pas de vue l'intrus. Je vais maintenant essayer de mieux voir son visage. Je reviens en arrière et si vous vous souvenez, la caméra dispose d'un capteur téléobjectif. Je choisis donc sur l'accueil de l'application le deuxième écran qui correspond donc à ce capteur et retourne consulter les sauvegardes de la caméra. Je retrouve le bon moment. Puis clique sur le bouton de téléchargement. Je peux maintenant séparer juste le bout de séquence qui m'intéresse pour la retrouver dans l'album photo du téléphone, pour par exemple pouvoir la transmettre à un proche ou une connaissance, ou même aux autorités, et cela plus simplement sous la forme d'un fichier vidéo qui sera visible sur n'importe quel appareil. La sélection me convient, je vais juste retirer un peu la fin car la fuite n'est pas intéressante. Je clique ensuite sur télécharger. Quelques instants plus tard, je me dirige ensuite vers la vidéo obtenue dans mon album photo du téléphone. Tiens, tiens, ce gars me dit quelque chose. Plus trop de doutes, vérifiant quand même rapidement l'immatriculation sur la remorque que je vois au fond. Peut-être que je l'ai déjà vu. Ok, j'en suis maintenant certain, c'est bien moi. Ah là là, je me découvre des talents. On arrive à la fin de cette présentation dans les grandes lignes, son installation et une petite mise en situation de la caméra. Petit bilan sans parti pris, je suis agréablement surpris par ce produit. La qualité vidéo est bonne avec une bascule d'un clic entre une basse et haute résolution depuis l'application pour épargner les données mobiles lorsqu'on fait juste une vérification visuelle. Le suivi de personnes automatiques fonctionne bien, même avec des mouvements rapides. On a accès à une multitude de paramètres, on peut activer et désactiver le projecteur LED, la sirène, restreindre le suivi automatique et sa sensibilité. Nous pouvons aussi restreindre les notifications envoyées à certains créneaux horaires personnalisables sur tous les jours de la semaine, choisir un point de garde, un accès rapide à d'autres points prédéfinis pour balayer d'un geste les différentes zones à surveiller. Bref, beaucoup de choses personnalisables.
En tout cas, j'espère ne jamais avoir à m'en servir pour démasquer un vrai voleur, mais dans tous les cas, elle me permettra de surveiller facilement la météo sur place avant d'entreprendre le trajet pour m'y rendre, et même s'il y a eu une coupure d'électricité par exemple, je le verrai. Une chose qui serait formidable, et je profite de cette tribune pour le suggérer à la marque Reolink, mais une fonctionnalité de vigie incendie serait un gros plus par les temps qui courent, même si j'imagine qu'il n'est pas facile de différencier un panache de fumée d'un nuage ou d'une brume. Vous trouverez en descriptif de la vidéo un lien pour accéder à la caméra que je vous présente. En tout cas, je remercie la marque de leur confiance, et vous, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout, et vous dis à bientôt pour la suite des travaux.